pas seulement l'inauguration, un hommage et une commémoration envers M. Jules Jean-Louis, un médecin commandant qui est décédé en ce mois de mai 1951 pendant la guerre de Corée. Donc, on ose beaucoup assister à cette commémoration et exposition. Comme vous le savez, le commandant, ce médecin, c'est Jean-Louis. Il est allé pendant la guerre de Corée. Il a soigné les soldats coréens pendant la guerre de Corée. L'important, en tout cas, aujourd'hui, c'est de se retrouver autour de la mémoire de cet homme qui fut un grand humaniste. Il a fait des études de médecine et très rapidement, il a fait de sa carrière de médecin, qu'il a complètement oublié, un véritable sacerdoce. Il a soigné les soldats coréens pendant la guerre de Corée. Et aussi, il est un héros en Corée maintenant. Ben, c'est assez formidable de dire qu'un Sanarien est parti quand même en Corée, alors que c'est un pays que pour la plupart des gens, on ne connaît pas trop. Et aussi, ça, je trouve que c'est vraiment un bel hommage que de lui rendre 71 ans après sa mort.